Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo J17. Donc on est toujours là, hein, tout va bien. Hein. Donc là effectivement nous voilà en Ariège. Donc on se trouve sur la partie entre Ailly et la maison du Valier, si je dis pas de bêtises. Du coup on se trouve sur la partie la plus haute de ce parcours là. Donc maison du Valier, 1821 mètres. Donc voilà, donc là je suis arrivé tout en haut avec Alexis il y a à peine 5 minutes. On va le rejoindre, il a déjà pris ses aises. Pour manger, parce que c'est la collation, il est 14h passé, on va manger un petit bout et on va voir ce qui se passe dans la tête d'Alexis. Alexis, comment vas-tu? Je boude. Pourquoi? Parce que la cabane s'appelle la cabane du lac. Clos du lac. Clos du lac, mais il n'y a pas de lac. Ouais, c'est... bah, à savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, du coup, on voit la question. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un lac, mais en fait, non. Un petit lac, bon, sur la carte, on se demandait. Mais bon, la vue est quand même belle, donc on va montrer... Ouais, une très belle vue, ouais, quand même. Il y a un peu de neige encore sur les sommets. Hein. Ouais. Là, on a 1821 mètres, donc là-haut, moins 2005. On n'a pas regardé quel était le mont. Donc tout va bien. On rassure tout le monde. Donc, du coup, ce soir, l'idée c'est de descendre dans la maison du Valier. Donc, c'est la vallée qui est juste derrière avec la rivière du Ribéron. On nous a dit que c'était très sympa là-bas, apparemment. Voilà, on a croisé quelques randonneurs qui nous ont dit là-bas pour camper, c'est l'idéal. Génial, ouais. Donc, du coup, on va quand même y arriver assez tôt là-bas. Mais si c'est bien, bah, on va y rester. Pour se reposer un peu, on le mérite. Voilà. Donc, voilà, tout va bien. On vous dit à tout à l'heure pour le résumé de cette journée.